Oui, bonjour, bonjour. Salut, salut tout le monde. Nous sommes avec notre pote Epic Sax Guy et on voit en bas là le mode de ce soir, les Lopez, mec. Lopez Joe. C'est dans cet esprit de combativité, de camaraderie que nous allons entamer ce soir ce petit Isaac de l'amour. Je suis en train de checker un peu si tout va bien. Allô, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, ouais. Alors, si jamais le son n'est pas bon, n'hésitez pas à me le dire. Je regarde un petit peu au niveau du retour. Mais ça devrait le faire. On va baisser un petit peu le son ici. On va couper ici Epic Sax Guy un petit peu. Déjà, bonjour à tous. On va mettre la webcam tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, j'ai pas trop eu le temps de préparer ce stream puisque je n'étais pas là ce week-end. Et du coup, je fais ça un petit peu à l'arrache. Je voulais à la base vous préparer un petit Pillars of Eternity, mais je pense que ce sera pour la prochaine fois. Ce soir, on va se faire du Isaac en mode tranquille, toujours dans l'objectif de devenir Platinum God un jour. Ce soir, ça va être une run d'Eden pour finir le chest. Et après, on verra un peu ce que ça donne par la suite. Ok, on va commencer. Ouais. Alors, on va couper Epic Sax Guy, hein, parce que ça va 2 secondes. Hop. Merci Epic Sax Guy, tu as fait ton boulot. On va passer sur du Isaac. Voilà. Du Isaac des familles. Alors mon fond va se dégrader. Hein. Mon fond va se dégrader, ça c'est sûr. Puisque l'éclairage de mon appartement est toujours aussi dégueulasse. Voilà. On va essayer de l'arranger un petit peu. Ça va le faire. Pourquoi ma souris ne répond plus? Ok. Donc ma souris ne répond plus. Tout va bien. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi la souris ne répond plus? Ça, c'est la grande question. Putain. Bon, c'est pas grave. J'en ai pas vraiment besoin. En tout cas, pas pour l'instant. Si, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Bon, allez, on va dire que non. Et si jamais vraiment ça fait chier, je vais passer. Bah, si, j'en ai déjà besoin. Bon. Alors, il va falloir que je passe derrière tout ça. Pour voir un peu comment ça se passe, je suis en train de tout péter, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Allez, s'il te plaît. C'est bon, la souris est revenue. Tout va bien. On va remettre le son d'Isaac. Voilà. On va y arriver. Niveau son du jeu, dites-moi si c'est trop fort ou pas. Il se peut qu'à un moment je mette un petit peu de musique parce que bon, la musique d'Isaac c'est sympa. Je vais peut-être le faire. Je vais mettre du Shaka Ponk ce soir. Je le sens bien en mode Shaka Ponk ou alors le dernier Muse. On verra bien. Mais bon, comme je disais, la prochaine fois on va peut-être essayer de se faire un Pillars of Eternity. On reprendra aussi les streams de Bloodborne très 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 bientôt, histoire de quand même finir le jeu. Voilà. Pour ce qui est du stream, je vérifie que tout va bien. Ça a l'air d'aller. Ok, bon, eh bien, on y va pour des petites runs sur Eden. Ah non, Eden, on a fini le chest. On a fini le chest sur Eden. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter The Lost. Sinon, il faut faire les boss rush. Et les boss rush, c'est du restart à foison. On peut tenter The Lost. Allez, tentons The Lost. On va se faire chier. En gros, The Lost, tant qu'on n'a pas le 9-4 et le Holy Mantle, c'est la merde. Ok. Donc, du coup, là, on peut déjà reset. Ok, reset. Ah, bon. Ça ne sert pas à grand-chose quand on est The Lost. Mais bon, ça va au moins nous augmenter le dégât. Puisque on ne peut pas gagner de vie.
Avec The Lost. Bon, on va la tenter. Sachant que si je prends un seul dégât, je meurs. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si on n'a pas le Dead Cat très rapidement, c'est décédé. C'est le décès. Et on vole aussi accessoirement, donc ça c'est pas mal. Alors, s'il te plaît, décède. Voilà, merci. Non, c'est pas par là. Je pense qu'on a aussi les Devil Deal gratuits avec The Lost. Spui. Allez, on y va. On essaie de mourir vite. De toute façon, on va crever un nombre incalculable de fois ce soir hein, pour arriver à avoir à finir le chest avec The Lost. Étant donné que chaque hit est un décès. Alors je vais essayer de ne pas être trop un sac, hein. Je sais que c'est une de mes spécialités. Alors il me faudrait une petite bombe, quoi que ça ne sert pas à grand chose. Puisque, comme je l'ai dit, les Sacred Hearts ne me servent à rien. Les cœurs gris. Mais c'est un fleur XL en plus ou quoi? Non, c'est même pas un fleur XL. Je vais quand même essayer de bomber ce rock pour voir si je peux pas avoir le small rock. Et pas du tout. Super. Super. Oui, mais c'est super génial. Tout est vraiment super génial. Alors, une clé, allons voir le boss. Oh là là, ceux que je déteste le plus au monde en plus. Oh là là, qu'est-ce que je sais, c'est pas putain. Non mais s'il te plaît, voilà, meurs. Meurs mais rapidement. Bon, c'est plus facile quand on vole déjà cela. Hein. Hop. Bon, ça sent pas la grosse partie. Hein. Ça sent pas la grosse partie. C'est la partie des chaudes de toute façon avec The Lost. Il y a vraiment moyen qu'on meure très rapidement. Voilà. S'il te plaît. Ok, on avance. Bon, ça, je peux pas aller l'avoir à moins d'avoir le Holy Mantle. Ou quelques protections que ce soit. Je pourrais la tenter et reset si jamais on n'a pas le 4. Mais on va quand même essayer de pousser le vice jusqu'à aller voir le premier boss. Enfin, le deuxième boss plutôt. The Pin. Piercing shots. De temps en temps, les piercing shots, hein. C'est pas tout le temps, tout le temps. Des clés, ouais. Ça, c'est quoi? C'est Tech 5, ça, c'est pas mal, hein. C'est con, on a des bons objets. Il nous manque plus que les objets qui servent vraiment. Non, mais s'il vous plaît, voilà. Il faut un moment, il faut mourir. Il faut y aller! Pas le temps, faut y aller. Alors, on y va, meurs. Je sens que je vais me faire avoir par un pauvre truc dégueulasse. Dégueulasse. Alors, lui il est déjà mort. Ok. Ouah, j'ai failli crever sur une mouche de merde. Ça a failli être le drame. Alors. Ok. Rien peut nous tuer. Hein. Je le répète. Alors, oui. Ça c'est bon, c'est plutôt easy. Deuxième boss. Bon, deuxième boss. Monstro qui normalement est assez gratos si je fais pas de la merde. Comme je suis en train de le faire, je me mets en danger, tout va bien. Voilà. Voilà, si tu veux fais ça, au moins t'es gratos quand tu fais ça. Oui, alors on va y aller safe.
Petit Devil Deal. Allez, donne-moi un Devil Deal. Range up. Et là, ça nous donne... du Guppy, du Piercing Shots. Ouais. Mais on va tout prendre, hein, de toute façon. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de la pousser jusqu'au bout. Avec un peu de chance, on va tomber sur quelque chose d'intéressant. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? J'ai vraiment envie de crever. J'ai vraiment envie de crever. Oh là là là, oui, lui il spawn direct sur moi. Pas d'embrouille. No embrouilles, comme on dit en anglais. Bien sûr. Voilà, meurt et meurt. Très bien. Bon, c'était pas si mal au final. Ce serait vraiment bien de pouvoir essayer de choper des trucs intéressants. C'est con, au niveau dégâts, on est pas mal, hein. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Cette petite carte, The Empress, pas mal pour les boss, ça servira. Ok, bon, niveau dégâts, on est bien. Pas d'embrouille. Par contre, on se fait toujours toucher un seul hit et nous sommes décédés. Ça ne marchera pas. Pas avec The Lost. Malheureusement, toi meurs. Toi aussi. Et toi aussi. Ok, suivant. Ça ne sert à rien. Oh, j'ai cru que c'était un... projectile et que j'étais mort. Ce n'était pas le cas. Des clés, ça c'est bien. Fat Protector, on prend. Ça fait toujours... Non. Ça fait toujours une protection supplémentaire. Ok, donc c'était à gauche. Après, on pourrait potentiellement se faire une petite partie de Heroes of the Storm. J'avoue que je serais pas contre. Pourquoi pas, si j'ai des amis connectés en plus, ça pourrait le faire. Mais on va essayer de se faire ça après. Ok, donc là j'étais monté. Ouais, la salle du boss était donc à gauche complètement. Ah ouais, non mais j'ai mis Oreo Wizard, bien joué, bravo Levo. Forcément, hein. Ouais, bon, ça va, heureusement. Bad gaz. Il faudrait que je fasse gaffe avec les pilules quand même, parce que ça ne me sert pas à grand chose. Si ce n'est me faire mourir comme un sac. Oh là là, j'aurais pas dû aller dans cette pièce. Voilà, à quoi ça sert The Lost. Une erreur et c'est mort. Donc on va respawn jusqu'à avoir ok, super. Jusqu'à avoir un élément un peu intéressant. Parce que sinon on va vite crever. Et ça va être vite très 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 chiant. Qu'est-ce que c'est ça, Tiny Planet? Non, c'est de la merde. Allez. Reset. Voyons voir ce que c'est l'objet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. Reset, c'est parti. C'est de la merde. Ok, c'est pourri. Ah, c'est le jeu du reset, hein, on s'éclate. Ça c'est bon. Bon, on va voir si on peut aller si on peut aller voir une challenge room quelconque. Hop hop hop. S'il te plaît, respecte-toi, reste à distance et ne m'envoie pas de projectiles. Et on restera copains. Copains comme cochon. Tu
Oui. Bon, deux clés. Ouais, un cœur gris qui ne sert à rien. Ok. Bon, lui, on n'aura pas le... On n'aura pas la Devil Room au premier étage. C'est pour ça que des fois, souvent, on reset jusqu'à avoir un truc intéressant. Parce que sinon, on fait des étages, on fait des floors dans Isaac pour rien, quoi. Parce que on reste jusqu'au bout. On teste et on crève au quatrième niveau ou au cinquième niveau, ce qui ne sert à rien. Voilà, ou au premier, comme moi. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Le knife. Mais ça nous permettra pas de survivre. Donc on va crever. Voilà. Alors vraiment, si c'est trop chiant, on changera de perso, on fera une run classique. Faudrait que je regarde ce qui me manque. Ça, c'est pourri, ça. Enfin, c'est bien, mais pas pour ce qu'on cherche. Alors. Non, c'est pourri. On va voir ce qu'il y a dans la salle d'objets. Non. Ah, une petite salle. Ah. On s'en fout. Ça ne sert à rien non plus. Une chance de respawn, mais... Ah merde, j'ai raté la salle de... J'ai raté la salle... De la Curse Room, qu'est-ce que c'est? Seven Bombs, ouais, super. Non. Ok. Ah, on s'emmerde! Allez, s'il te plaît. Tech 5, ouais, c'est bien, mais ça nous servira pas si on n'a pas déjà. Si on n'a pas déjà quelque chose d'intéressant. Ok, super. Meilleur item du monde. Alors, la Curse Room, qu'est-ce que ça nous dit? Encore deux coffres. Ah! Bon, range down, phéromone, dead cat. Donc, déjà, on va pas crever du premier coup. Donc ça, c'est pas mal. Et après, il faut essayer de choper une Holy Mantle. Et on sera content. Bon, la tique, non merci. Des sous-sous dans la poche. Maintenant il nous faudrait un peu de dégâts et surtout le Holy Mantle qui nous permettra de prendre des dégâts une fois par salle. Et ça c'est pété. Enfin si j'arrive à ne pas décéder connement parce que j'en suis capable. Oula oui, surtout contre des petites merdes comme ça, ce serait vraiment débile. Alors, ah, ce serait bien d'avoir une petite bombe pour voir s'il y a un small rock dans le tainted rock qui est juste en haut à gauche. Ah, dommage. Bon. Ouais, bon, ça ne sert à rien. Je vais les prendre pour le fun, mais ça ne me sert à rien.
Non, sac à merde. Allez, ça y est. Ça commence. Ok. Je n'ai plus que 7 vies donc. Et là, ça, en général, je me fais bien baiser à chaque fois. Par exemple, voilà. Putain. Mais je vole en plus, je suis vraiment trop con. Ah ouais, ça y est. Là. Lucidité maximale hein, de ma part. Bon, par où je passe. Mais je vais attendre qu'ils viennent. Voilà, on va passer par là. Hop. On va passer par là. Allez, venez par là. Voilà. Concentrez-vous bien là. Hein. Voilà. Ouh, popo, il est pas passé loin celui-là. Il est pas passé loin. Alors, on y va. Bon, je meurs. Je suis déjà mort 3 ou 4 fois. Comme un sac. Les Gurglings, ah oui, les meilleurs. Je les adore. Non, mais non, mais non, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Je le fais exprès. Bon, bah alors là, en plus, j'aurais pas de Devil Deal, ça c'est sûr, vu que je suis mort 800 fois. Allez, s'il te plaît. Ah, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Oh, ah non, non. J'en ai fait bouger mon fond transparent. Mon fond d'incrustation. Ah si ça me fait trop péter un câble, on va changer, hein, je pense. Mais restons, persévérons pour l'instant. Je n'ai pas encore pété mon câble. Ce qui viendra bientôt. Ce qui viendra bien assez tôt. Allez, on va peut-être y arriver. Ok, un de moins. J'ai failli le toucher encore en voulant me rapprocher. Allez, doucement mais sûrement, hein, on y va. La petite mouche. Ça ne sert à rien. Je pense que ça vaut un reset. Bon, continuons juste pour voir, mais bon, je n'y crois pas un seul instant. Ah oui, bah oui, bravo Levo. Je pensais pouvoir rentrer dans la salle alors que j'avais pas buté les ennemis. Débilos. Ça non plus, ça ne sert à rien. Bon, on va reset, je le sens pas. Alors que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Ok. Ok, tears down, speed down. Non. Ah, la salle d'objets. Oui, oui. Ah. Guppy Scholar qui peut potentiellement nous permettre de survivre. Oui. Bon. Non. Super.
Super. Alors. Oh, le Curse of the Maze de la mort. Bon. Vu qu'on a la salle d'objets à côté, on va finir la pièce quand même. Pièce qui va nous prendre 153 ans. Mais bon. Pour le beau jeu. Nous serons prêts à tout. Pour un petit dead cat, je ferai n'importe quoi. Bon. Quoique le dead cat, ce n'est pas la fin en soi. Vous l'avez vu à la partie précédente. Bon, en même temps, si j'avais peut-être moins joué comme un sac à merde, ça se serait peut-être mieux passé. Super. Super. Bon, allons voir quand même dans la salle. Non mais voilà, faut arrêter maintenant. Ok, le Guppy Scholar, c'est de la merde. C'est de la merde en bas, c'est de la merde en bas. Oh, Pandora's Box qui ne sert strictement à rien. Ça me donnait 2 carrés. Trois cœurs gris qui ne servent à rien ici. Le dry baby. Ah, le dead cat. On va commencer avec ça. On va voir. Ah non mais what the fuck. Pourquoi il m'avait remis dans la pièce Bon, on a perdu 2 vies pour rien, mais on en a 7. Il y avait une vie de perdu qui était évitable. Je comprends pas pourquoi il m'a fait respawn dans la salle de l'angoisse. Ok. Pas la salle de l'angoisse, la curse room. Hein, qui... Alors, et l'objet, qu'est-ce que ça va nous donner? Concussive. Non, c'est de la merde, hein. J'aime pas concussive. Ça repousse les ennemis quand on les touche, mais j'aime pas trop. Je n'aime pas trop ça. Je vais me faire guaquer, je le sens. Ah, je le savais, putain. Tout ça parce que j'ai voulu jouer le fait d'avoir ces pièces de merde. Bon, on continue. Je vais peut-être essayer d'être moins bête. Alors que j'avais max pièce ici. Bien joué. Alors ne pas se faire toucher par les mouches blanches, hein. Ça c'est possible aussi. Voilà. Je vais les enlever parce que si jamais je reviens pour une raison ou pour une autre dans cette pièce, je vais me faire avoir. Alors. 1+1 batterie, ça ne sert à rien. Allez, prenons lui 1+1 et les... voilà, prenons lui 1+1. Ça peut toujours servir. J'ai failli me faire toucher. Ok. Double bombe, premier boss. Le spawner de mouche. Ah, il faut le viser direct lui, hein, parce que sinon. Bon, après, s'il fait trop de mouches, faut aussi les virer, mais bon. Ok. Non, mais laisse-les là-bas, les mouches, elles sont bien. Ok, Evil Up, ça ne sert. Ah ouais, à part à choper des bombes, mais sinon ça ne sert pas à grand chose. Bon, continuons. On a toujours 5 vies, je pense. Ok.
On avance, on avance. Mysterious Paper, je ne sais pas ce que ça fait pour le coup. On verra ce que ça donne. Hop, 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 hop. Ok, on avance. Damage plus HP. Bon, du coup, ce sera que le damage. Bon, c'est pas un dommage de fou, je crois, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Petit small rock, non? Non. Rien d'intéressant. Non, non, mais non, mais non, mais... Je suis vraiment trop con. Ah, ça change la mouche. C'est marrant, c'était une championne avant. Bon, on va essayer de pas se refaire avoir par la même. Ah, je voulais voir le small rock, le blue rock. Ce petit rocher bleu qui peut potentiellement... Oh, il y en a plein. Avec un peu de chance, on peut choper un petit small rock. Ça serait sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Cœur gris et celui-ci. 4 bombes. Et là. Ok, bon, lui il nous a donné la masse. La masse de choses. Bon, allez, j'ai vu le truc. Allons voir Monstro. C'est le monstre simple, donc normalement plutôt tranquillou. Ouh là là, je l'avais pas vu lui. Tranquillement, tranquillement, on se le fait. Voilà. On avance, on avance. Un petit devil deal. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Oui, super, des araignées pour nous buter. On n'a pas besoin de ça. Ok. Super devil deal. Super devil deal. On descend. Oh merde, il nous voit. Je pensais pas qu'il nous voyait. Ah là, faut y aller au vis. Alors, lockdown, super. On y va, on craint rien. Range down, bien sûr. Si vous pouvez arrêter de cracher tes merdes, ce serait sympa. Ok. On monte. Ah bah déjà le boss. On peut aller voir le boss. Hein. On ira voir la salle d'objets après. Non, 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 non. Ok, bon, allons voir le boss. On va essayer de choper la... Oh, je l'aime pas, lui. Pipe. Je ne l'aime pas beaucoup. Il a tendance à me niquer rapidement. Surtout quand il sort ses yeux à la con. Allez, s'il te plaît, mais meurs. Meurs, mais vite.
Ah, on manque de puissance, on manque de tout. Oh voilà, voilà c'est la f... Bon, on va aller voir un peu s'il y a des objets, hein, parce que là, ça va être la merde. Non, 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 oh là là, je sais pas comment je suis pas mort déjà là sur ça. La Bible. Bon, on a rien d'autre donc on va dire qu'on le prend. Ça pourrait mettre un de one shot mom. Si on arrive jusque là. Ce qui n'est pas gagné. Alors. Ouais. Ouais. Je n'ai pas de clé. Ah, ça va être long. Ok, 2-1. Comment j'ai fait pour me faire choper par ça? Bon, de toute façon, je pense qu'on va être bon pour la recommencer celle-là aussi. Ah, si je pouvais choper le Holy Mantle dès le début, là, ce serait vraiment le pied. Mais ça va être compliqué. Hein. Ah oui, j'avais oublié ce petit fait qui était que je n'avais pas de clé. Oh là là, mais quel sac. Je pensais qu'elle allait exploser au bon moment. Bon allez. Reset. De toute façon, je n'aurais pas pu sortir de la salle. Piercing shot, c'est pas mal, mais là, ça ne me sert à rien. On continue. Reset, reset. Ouais. Ouais. Pareil, The Pack, j'aurais rien pu faire non plus. Ah, ouais, bah là, je vais pas pouvoir en sortir non plus. C'est con, damage up. La candle, je ne pourrais pas sortir. Ok, mon fond vert a complètement disparu. Et oui, effectivement, puisque ma pièce s'est assombrie. Ah ouais, là, moi, je disparais complètement. On va dire que c'est correct comme ça. Ok, reprenons le jeu.
Ah, on a une petite salle avec deux cœurs noirs, ça ne me sert à rien. Encore une salle. Ah non, non, ne reset pas encore. Voilà, maintenant. Eh ben, ça va être long. Allez, tentons-le juste pour le fun, hein. Voilà. Ah, j'aurais pu voir la... Ouais. La pièce d'objet pour le Holy Mantle, effectivement. Ça, c'est de la merde. Ah non, mais je vois pas pourquoi je m'excite. Je ne pourrais pas sortir de cette pièce. Bon, bah quand même, juste, je sais pas pourquoi, on va la tenter. Voilà, au cas où on aurait une télé pills. Voilà, on est mort. Ah, le D6. On peut essayer de se marrer avec ça. Ah oui. Alors le D6 c'est pas mal, hein. On pourrait essayer de gruger une... Ouais bah non. Si j'étais moins un sac, on a peut-être pu survivre jusqu'au boss et essayer de faire quelque chose, mais c'est compliqué. Et ouais, sans bombe c'est compliqué. Voyez-le, elle sup ne sert à rien. C'est quoi, c'est Ludovico Technique? Oui, c'est bien, mais pas là. Ah, le Dead Cat, on va essayer de pas crever parce que là j'ai commencé évidemment sans avoir la main sur la manette. On va le prendre au cas où on se fasse toucher comme un sac. Une petite clé supplémentaire. Non, s'il te plaît, ne reviens pas dans la salle. Voilà. Ok, nous avons 8 vies. On peut essayer de commencer avec ça. Ce serait sympa de se rechoper un D6. Et non, on se tape ce poupe. Génial. C'est super. Le jeu nous aime. Le jeu nous le fait savoir, il nous kiffe. Hop. Il nous aime d'amour vrai, tel Hélène et les garçons. On est un peu son cri-cri d'amour au jeu. Ok, bon, voyons voir si on arrive à en faire quelque chose de cette run. On a le... Oh. On a la musique, on a la sono. On a le Dead Cat. Qui nous permet d'avoir 9 vies, plus que 8 maintenant puisqu'on a perdu la première. Mais on était obligé de la perdre en sortant de la pièce. Ok, un cœur gris qui ne sert à rien. Je n'ai pas de bombe, c'est parti. Des sioux, donnez des sioux à l'arc. Par contre, j'ai des sous et j'ai une clé. Une clé qui me permet d'aller acheter ça, qui est déjà un peu mieux que The Poop, qui ne sert à rien du tout. Et essayer de piffer des objets, mais... Ok, oui. J'aime pas trop cette salle. Voilà, des araignées, tout ce que j'aime.
Oui. Voilà, restez bien loin les araignées, hein. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix royale. Range up. Ah, le fameux Curse of the Maze que nous aimons tous. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Ils peuvent nous goaquer à tout moment. Voilà, comme ça. Non mais restez loin de moi. Voilà, restez loin, loin, loin. Oh là 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 là, il me troll à mort. Non mais mourez, au moins un qui meurt là. Un qui meurt, s'il vous plaît. Un qui meurt vite. Ah le guac. Tension, la tension est à son paroxysme. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh putain. Oh, c'est chaud. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Il y en a deux qui sont morts. Il y en a trois qui sont morts. Damage up. Ok. Et c'était le basement one. Tout va bien. Hein. Bon, allez, on se casse. On a un peu de dommage. On a le dead cat. C'est pas un start trop dégueu. C'est pas un start trop dégueu. Ah, Curse of the Darkness, hein, évidemment, parce que ça ne suffisait pas. Oh là 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 là. Donc là, on... Ah si, il y a un Blue Rock ici. Donc on s'en souviendra juste pour le... Ah, on one-shot les mouches. Ça, c'est plutôt bon signe. Ah, une petite... Bon, on va quand même aller voir la salle d'objets pour savoir ce qu'on a. Un objet dont on se fout éperdument. Allez, donne-moi un small rock, s'il te plaît. Et on va le mettre là, en espérant que ça fasse aussi péter. Super, bravo, le veau. Oh là là, le jeu qui nous en veut. Ok, oui, c'est ça. Tuez-vous entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Encore un... Ouais, alors, je manque de clés de bombe. Hein. Ça, c'est clair et net. Oui, alors... La salle agressive dès le début, on aime ça. Ah, une petite clé. Allez, tentons-le. Tentons le sombrero malgache. Ah, le PhD, ça, ce serait pas une mauvaise idée. Le PhD. Ouais, ça aussi. Non. Dommage. Dommage, dommage. The Lovers, ça ne sert à rien. Ok. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Oh, non! Bon, ok. On peut passer par l'autre côté. Faisons-le. Je sais pas si c'est mieux. Oh, boulet, mais putain, c'est pas possible. Je voulais passer sur le rocher pour être safe. Et voilà, ogre de con. Alors qu'il suffisait de faire ça, The Moon. On peut le faire. Ouais, on peut le tenter, ça. Histoire de récupérer au moins une bombe ou un... Ou une clé, ou alors absolument que dalle. Voilà. Que dalle, ce sera bien. Enfin, c'est pas que c'est bien, c'est que le jeu ne m'en donne pas le choix. Putain, mais meurs! Non! Mais quel salaud! C'est pas possible. J'ai vraiment... Et je pensais avoir un meilleur DPS que ça, quand même.
Oui, non, mais toi. Oh là là, je l'avais pas vu. Allez, meurs, petit caca. Une clé, ça on aime. J'ai vu la salle d'objets. Ok, bon, barrons-nous. On n'aura pas de, on aura pas de Devil Deal en plus, vu que je suis mort deux fois. Allez, finis-le, voilà, finis-le. Ah, Devil Deal quand même, speed plus shot speed up, ça c'est bon. Ouais. J'aurais peut-être pas dû prendre le contrat et attendre les Angel Room plutôt. Histoire de maximiser ma chance de d'avoir le Holy Mantle. Effectivement, c'est pas très bien joué ce que je viens de faire. Et je ne peux pas me barrer cette pièce. Je vais devoir tous les buter. Ah oui, alors on s'ennuie. Ah, je pensais qu'il était mort. Il n'est pas mort, mais ça y est. Alors, eux, il y a une chance sur une que je meurs à peu près avec eux. Ils sont beaucoup trop rapides. Ils ont la gâchette trop rapide. Ok. Double clé. Commence à être un peu fourni en clé. On verra ce que ça donne par la suite. Oh, qu'est-ce que je les aime pas. Ok, un de moins. Un de moins. Oh là 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 là. J'avais jamais eu cette salle encore. C'est intéressant. Il a fallu que ça tombe sur The Lost, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai dit que j'allais rester positif. C'est mon objectif. Je dois rester positif ce soir. Voilà. Et non, tout ceci. Ah oui, et j'oublie. Technique. Ah, le sac! J'oublie techniquement que je peux me foutre ici en mode safe, mais que je ne le fais pas. Voilà. Oui, 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 voilà, voilà, mais oui. Ah, et puis on nous fait plaisir avec, avec des setups de salles complètement guaquées. On ne peut rien faire. Ok, on va se mettre dans les spots safe. Ouais, ouais, bon. Ok, ça, ici on prendra rien du tout.
Bon, eux, ça va, ils font pas trop mal. Surtout quand on vole. Allez. Bon. Oh là là. Vraiment le double dingle là, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Bon, j'ai essayé de m'en faire un rapidos, hein, mais c'est pas gagné. Oh là là. Oh là là, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh là là, le double jingle qui fait chier. Quoi. Calmez-vous bien. Ouais. Voilà, mets-toi là. Et ne bouge plus. Il est pas encore mort, hein, lui. Hein. C'est pas faute de le viser. Oh là là, oui. Allez, s'il te plaît. Oui, c'est ça, fonce-moi dessus. Fonce-moi dessus bien fort. Ah, voilà. Bon. J'ai réussi à ne pas me faire toucher par les doubles dingles. C'est presque un miracle. Alors, HP up, régénération, ça ne sert absolument à rien. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? Dark Bum, ouais. Ça, oui. Ça aussi. Bon, ça, on va le prendre pour le fun. Puisque c'est gratuit, cassons-nous. Ah, j'ai pas vu la salle d'objets, je crois. En mode sac. Très bien, je vais crever. Non, non, mais non, mais non, mais pourquoi il me met de la, pourquoi il me met de l'autre côté? Non, mais non. On est reparti. On y croit. Moi, j'y crois à mort. J'y crois à mort. Scapegoat, ça pourrait être utile. Mais je pense, ouais, super. Pas avec The Lost, où on ne peut pas gagner de cœur. Inutile. C'est inutile. Ouh, ça aussi. Le magnet inutile. Et c'est inutile. Nine, nine, nine. Alors... Qu'est-ce que nous donne... Non. Ah, on se fait chier avec The Lost, hein. Guppyspo, ouais, mais non. Un objet de Guppy, mais on n'a pas de cœur, on n'a rien, on pourra pas sortir de la salle. Turdy Touch, non. Non plus. La Reset Fest, non plus. Non. Spooty, spooty, spooty,
is bleeding. Non, le robot baby non plus. Ah, j'aurais pu regarder la salle d'objets. Non. Pam 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 pam. Ça génère des araignées, hein. Mais bon. Ça aurait été bien en dommage si on avait un set de base intéressant. Le mushroom damage up. On peut essayer de voir s'il y a une. Ah, coffre rouge. Est-ce qu'il y a une curse room quelque part? S'il n'y a pas de curse room à cet étage, on reset. Ça me paraît logique. On aurait pu crever avant de reset, hein. Non mais qu'est-ce que je fais? C'est là toute la question. Comme on dit dans Dire 3, Dieu seul lui-même ne sait pas ce que tu fais, McLean. J'avais mis au point un plan bien huilé. Alors... j'avais dit que s'il n'y avait pas de curse room... Bon, on va voir le Devil Deal. Non, il n'y aura pas de Devil Deal. Donc, voilà. Alors. Non. Comme d'habitude, je ne pourrai pas sortir de cette pièce. Non, elle laisse deux celles-là non plus. Le Dead Cat, il est là. Alors, est-ce que je vais me faire guaquer encore par cette salle de la mort? Non, ça va. Ça va, il m'a laissé sortir. C'est quoi ça? C'est Attack Fly? Bon, Attack Fly, c'est pas mal. Au début, c'est pas fou. Mais on peut essayer de construire là-dessus. Allez, s'il te plaît. Ok. Ouais. Ah, un coffre rouge. Super. Le cœur blanc, évidemment, qui ne sert à rien. Bon, allez, le boss. Ah, c'est War. Non, c'est qui c'est Dev, ça? Je sais même plus qui c'est. Oh là, oh là, oh là. Calme-toi. Oh non, non, non. Oh, je l'ai pas vu partir. Je ne l'ai pas vu partir. Le coup est parti tout seul, comme on dit. Différence entre un bon et un mauvais chasseur. Alors. Ok, ok. Calme-toi. Calme-toi, voilà.
Ball of Bandages. Il me permettra d'avoir une petite protection. Non. Ah, le Curse of Darkness aussi qui va nous bien nous la mettre, celle-là. Oh, j'ai failli me faire avoir. Oh ouais, non, j'aime pas cette salle. Je n'aime déjà pas cette salle. C'est sûr et certain, je ne l'aime pas. Oh là là, non, j'aime pas du tout, hein. Je ne l'aime pas du tout. Ok. Heureusement qu'il y a l'attaque fly qui est là, qui fait un peu le taf. Qui reste? Il reste lui. Bien. Je suis assez heureux de ne pas m'être fait toucher dans celle-ci. Ok. Bon. Lui, voilà, il va exploser. Il en reste un. C'est le boss. Allez, on va se le faire, le boss. Merde, je suis pas allé du bon côté. Ah oui, s'il te plaît, reste comme ça. Ok. Attack fly, ça fait le taf. Tears, shot speed up, damage, got room. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ok, on va essayer d'avoir le... d'avoir la salle d'objets pour voir un peu si on peut récupérer un truc sympathique. Oh, saloperie de merde de mouche à la con. Oui... C'est pas grave, hein. j'ai dit que j'allais rester positif, hein, en même temps. Pas gagné, hein. Pas gagné avec The Lost. Faut vraiment le Holy Mantle. Ce serait là. Si je l'avais là, je serais le heureux. Blast damage. Bon. Petite clé supplémentaire. Est-ce qu'on va la jouer jusqu'à aller... ouais, allez, on va la jouer. Ah, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Ah, ça, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ça. Ça permettrait d'avoir deux propositions, deux choix. Ah, j'ai failli crever. On va essayer de choper 5 pièces quelque part. Je pourrais bomber la machine à dons. On va essayer de voir s'il n'y a pas une petite salle secrète ici. Et il y en a une. Mais qui va nous donner speed up, pas de gaz. Peut-être que lui va nous donner un petit peu de pièces. Ok. Il va effectivement nous donner un peu de pièces. Bon, on va pas risquer de perdre une vie juste pour ça. Ah, là il y a une petite... Toujours pas de small rock. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bomber ici. On va s'assurer. Ouais, non. Les araignées, j'en veux pas. Putain, j'ai réussi. Elle a réussi à ne m'en donner. Merde. Que deux.
Ok. There's more options. Bon allez, barrons-nous. Oh, j'ai failli mourir. Peut-être une pièce par là, non. De toute façon, on s'en fout maintenant. Ok, cassons-nous. On va peut-être re-y voir quelque chose maintenant. Non, toujours Curse of Darkness. Le jeu m'en veut. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il m'en veut. Bon, pour l'instant, il avait été plutôt gentil avec moi. Alors... Je ne one-shot pas les caca. C'est embêtant. Ah. C'est pas passé loin. Ouais, non. Allez, donne-moi un bon objet. The Relic, face up. Est-ce que ça va me donner plus accès? Aux Angel Room, je ne sais pas. Allez, allez, allez. Oh, popo, le salaud, putain, la dernière boulette, quoi. Je pensais pas que ça passerait, ça. Allez, là, il faut mourir maintenant, s'il vous plaît. Non, pas comme tout à l'heure, hein. Ok, le boss est là. Oh là là, je l'avais pas vu. Oh là 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 là. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi essayer de croire, d'avoir espoir. Je veux croire mon espoir. Dieu m'a donné la foi. Ok. Ça va pas être gagné non plus. Voilà, encore un bon boss fini à la pisse. Non, voilà. Je ne sais pas combien de vie il me reste, ça c'est cool. Allez, en plus il me donne des trucs de merde. S'il te plaît, meurs, mais meurs vite. Non mais... Non mais meurs vite et pas avec... Oh là là. Oh là là, c'est l'enfer. Mais faut arrêter là. Arrête de spawner ces merdes. Oh là là. C'est fatigant. Je suis fatigué. Voilà. Je fais de la merde en plus. Oh, je fais de la merde en bas. Voilà, meurs. Aïe 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 aïe, putain, le pire boss du monde quoi. Je suis pas encore mort. C'est incroyable que je sois pas encore mort. Meurs, oui. Oh, il a bugué. Oh, il a bugué. Oh là là, c'était bon ça, il avait bugué. Ah super, d'autres trucs qui ne me servent à rien. Ah, Krampus, bah oui, Krampus, hein. C'est tout ce dont j'avais besoin. Non, mais Krampus, arrête de bouger, s'il te plaît. Tu veux pas crever? Ouais, c'est ça. Voilà.
Qu'est-ce qu'il me donne? Lump of Coal. Ok, bon, c'est toujours du dégât. Bon, là, je suis en mode freestyle, hein. Il me reste une vie, je pense. À moins d'un miracle. Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé. Mais je serai décédé d'ici très peu. Voilà. Ça sert même pas que j'aille dans cette salle puisque je vais en décéder. Voilà. C'est la mort. C'est le décès. Bon, petite pause où je m'abreuve. Ok. Nine, nine, nine. Ce serait bien d'avoir là Dead Cat Olimantol. Voilà. Troll bombe, troll bombe. Alors, Godhead avec un peu de chance, Telepills. Pulse of Steel, ça ne me sert à rien. Range down. Full health, full health. D'accord. Rainbow Baby, ce qui est bien, mais pas top. C'est quoi ça déjà? Speed range up. Ouais. Alors. Ça, ça donne des soul hearts, mais non, je n'en ai pas besoin. Tardy touch, c'est de la merde. Enfin, Ecoli et Guppy, ouais, mais non. Non. Mais qu'est-ce que je fais? Je reste appuyé sur la touche R. Comme un sac. Ah, Guppy Stale. Ah ouais, mais que pistel, malheureusement, ça donne pas de vie. Ce n'est pas Olimantol. Ça non plus. Ah, que piscolard. Il me remet dans la mauvaise salle. Évidemment. Ouais, que pisse aide, mais ça ne donne pas de vie non plus. Alors, ah, la pute de Babylone. Mais je vais crever. Évidemment, puisqu'il me remet dans la même salle.
Ça me fatigue. Speed down. Je devrais peut-être vérifier quand j'ai deux salles comme ça. D'abord la salle d'objets. In case of holy mental, toxic blood. Bloody Lust, ça c'est pas mal. Et non. Ah merde, bon j'avais la salle d'objet. Alors j'ai dit salle d'objet d'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Chocolate Milk. Ouais. Et Dead Cat. Guppy Said. Bloody Lust. Deux fois. Ouais, ça permet d'être invincible quand on est immobile. Dry Baby, pas mal. On va voir ce que nous donne la Curse Room. Rien. Non. Non. La Revenge Fly qui est pas fofolle, hein. C'est, elle attaque uniquement quand on se fait toucher. 10 bombes. Ça ne nous sauvera pas la vie. Ah, j'ai eu une bonne série de Dead Cat, mais là ça ne sert plus à rien. Enfin, je n'en ai plus en tout cas. Ah, c'est dommage, là, ça aurait été bien Dead Cat et Guppy's Tale, ça aurait été foufou. Telepathic Book. Non. Ah, Dead Cat. Ok, là on parle. On est parti. Il nous remet là-bas. Donc on a 8 vies. On va essayer de construire là-dessus. On n'a pas un DPS de fou furieux tout de même. Ok. La salle d'objets est juste à côté d'ici. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Oh non. Oh non, il m'a donné le truc que je déteste le plus, quoi. Maintenant, il va falloir que je spamme le bouton. Merci bien. Le pire, c'est que ça donne même pas un damage boost. Hein. Mais bon. Bon, au moins on a 9 vies. On va voir ce que nous donnera ça. Oh non! Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Pourquoi il a bougé de sens comme ça?
là, j'ai failli me le prendre encore. Je me suis bloqué. Oh là là, je fais vraiment de la daube. Ball of bandages, ok. Bon, j'ai perdu combien? 3 vies? C'est mauvais. C'est très mauvais. Non. Pas pour ça. Il me faudrait des bombes. Donne-moi des bombes, s'il te plaît. Ah, oh. Alors, juste pour info, je suis à 2. Alors ça, ça peut être rigolo, mais alors avec un... Alors je pense qu'avec mon docteur fœtus et le fait que je sois The Lost, ça va être fun. Je pense que je vais crever dans à peu près 2 secondes, mais c'est pas grave. Ce sera pour le beau jeu. Ouais. On aurait le PhD, on aimerait bien. Oh, sac! Sac à merde, man! C'est moi! Sac à merde, man! Ouais, les clés, on en veut aussi. Qu'est-ce qui m'a touché là? Oh, il y avait des araignées. J'ai failli me toucher encore. Je vous avais dit que j'allais crever très vite, hein. Du coup, je sais pas ce que ça fait de swallow de Penny. Je me suis toujours demandé d'ailleurs. C'est pas possible, je vais crever. Aïe aïe aïe, je vais crever très rapidement, hein. Merci les pics fœtus. Ah, le small rock, ça c'est bon. Ça va nous donner du dommage. Ah, des sous, le PhD, on va aller le prendre. Voilà. Ouais, lemon party quoi. J'aurais pu le garder pour le boss. Mais bon, comme je suis un sac et que je prends toutes les mauvaises décisions depuis tout à l'heure, j'ai préféré l'utiliser maintenant. Ok, monstro. Voilà, bien joué. Hop 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 hop. C'est mauvais tout ça. Aïe 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 aïe.
J'y étais là, j'y étais. Oh là là, comment j'ai fait pour pas mourir là-dessus? Non! Oh la mouche rouge de merde! Salut Alexis! Ah ouais, je stream vraiment trop haute définition. Alors attends, je vais regarder ce que je. Sur, je vais regarder ce que j'ai dans mes settings encoding. Je suis en bitrate 1800. Faudrait que je descende peut-être mon bitrate, effectivement. Mais là, je peux pas le faire si ce n'est en redémarrant mon stream, du coup. Donc, même en 4G... Ah non, quand même, c'est pas possible. C'est pas possible, je crois que je suis en 700, je suis en 720p. Donc 720p, normalement, c'est bon. A priori. Mais je baisserai ma qualité, ok. Pas de souci. Et je devais regarder, d'ailleurs... oula, je fais n'importe quoi. Je devais regarder... pour voir si je pouvais baisser ma résolution. Alors je l'ai pas encore fait, mais enfin avoir plusieurs options de résolution. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. C'est bizarre quand même qu'en 4G, 4G normalement c'est presque aussi rapide que la fibre, le 4G. Triple shot. Ok. C'est très frustrant The Lost hein, comme partie. Non, non, je sais bien. Bon, c'est pas grave. Ça, Z un peu pourri. Non, ça je ne peux pas le prendre. Ouais, Guppy, Eternal Life, on va voir. Peut-être on peut se sortir de là. On ne peut pas. Toxic Aura Tears et rien du tout. Tears down. Else up, ça ne sert à rien. Pretty Fly, ça ne sert à rien. Are you Wizard, pareil. Le robot baby. Enfin, je sais même plus le robot baby. Celui-là, je sais même pas ce que c'est. Ok. Poison damage, pas mal, mais c'est pas ce qu'on cherche au début. Alors je le rappelle, hein, pour Alexis, si tu arrives finalement à suivre mon stream, là le personnage c'est The Lost, c'est-à-dire que le moindre dommage... il meurt, donc c'est pour ça qu'en début de partie on cherche à avoir un objet qui nous donne plusieurs vies ou alors qui nous donne de la protection, comme le Holy Mantle qui par pièce nous permet d'avoir une protection, d'encaisser un coup quoi, globalement.
Docteur Fœtus. Ouais. Et non. Non, je pensais que Virgo permettait de d'encaisser un coup, mais non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Mom's Perfume, Fear Shot, c'est bien. Toujours, mais pas pour ce qu'on cherche. Au début de partie avec The Lost. You feel blessed. Je ne sais plus ce que ça fait ça. Non, ça ne sert à rien. Ça ne protège pas des dégâts. Que pistel. Ouais, mais non. Alors. Ouais, Dark Bomb, ça ne sert à rien ici. Et voilà. Dark Bomb a des objets les plus cheatés du jeu, hein, mais quand on a un personnage qui accepte les cœurs gris. Damage Reduction, pas mal. Et ça ne suffira pas. Décidément, ça ne vient pas. Alors. Non. Ah. Salle d'objet. Celui de l'arbido, ça c'est rigolo. Et ça. Non, trop dangereux. Ça fait quoi ça déjà? HP up, speed down, ok, stompy, ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais toujours pas ce qu'on cherche. Allez, s'il te plaît, fais la danse du Dead Cat. Ça ne marche pas. Oh, la danse du Holy Mantle alors. Ah, la danse du Dead Cat a marché. Alors, il suffit de ne pas mourir dans cette pièce, voilà. Et une pièce de surcroît. Ok, on a le Dead Cat. Alors, non, fais pas le sac, s'il te plaît. Voilà. Bon, j'ai perdu 2 vies pour pouvoir sortir, mais il m'en reste 7. Ok, clé et sous. Clé et bombe. Non! Oh là là, putain, mais quelle chance il y avait que ça arrive ça! Aïe aïe aïe. Bon, Toxic Blast 5 bombes, ok, pourquoi pas. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? 15. Les tarot cards.
Il me manque une pièce. Et après, il me faudrait une clé aussi, accessoirement. Bon, maintenant, faut booster le dommage et aussi trouver un Holy Mantle. Allez. Non, mais là, s'il vous plaît. Oh non, mais attends, j'ai oublié. Réfléchis, Jean-Pierre. J'ai oublié qu'ils explosaient avec... Les bleus, ils explosent. Et ils lancent des projectiles lorsqu'ils explosent. Alors, ok. Après, je me ferais bien une petite partie de Hero of the Storm quand même. Si des... J'aimerais bien voir si des gens... Déjà, faut que j'installe, donc c'est pas fait. Du coup, je ferai peut-être pas ça ce soir, malheureusement. J'installerai après le stream. Au même titre que Pillars of Eternity. Ah, Dingle. Dingle, on sait faire normalement sans trop prendre cher, a priori. Ouais, enfin, ça c'était quand il y avait des protections. Non, s'il te plaît, voilà, toi, meurs. J'aime pas que tu sois derrière moi. Tant qu'ils sont devant moi, c'est pas grave. Bien, dès qu'ils se rapprochent, ça commence à être chiant. Ok. Ok. Oh, je sais pas passer loin. Non! Ah, j'aime pas le faire quand je suis en haut. Bon, il est mid life presque. Ok. Ah, j'ai réussi à ne pas le toucher, bravo. Bravo, bravo. Non, non. Mais putain, j'ai envie de me taper quand je fais ça. Ah, j'ai perdu 4 vies. 4 vies sur ce boss de merde. Un boss anecdotique en plus, quoi, qui se pète, mais tellement facilement. Voilà, reste bien dans le coin. Juste meurs. Sac à merde que je suis, quoi. Bref. Je ne sais pas combien il me reste de vie, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie d'aller là-bas voir un peu ce qui se passe. Super. Il fallait la jouer, il fallait la jouer. Ah oui. Ok. The Fool, ok. Ça nous permettra... Bah, j'aurais dû le faire avant, ça. Ça me permettra de sortir de la prochaine Curse Room en mode gratos. Une petite bombasse, pourquoi je viens par là, je ne sais pas. Un petit rock, small rock, oui. Exactement ce que je voulais. C'était chaud. Hop là.
ouais, pay to play, ouais. Ah, un petit Curse of the Maze. Très bien. Bon, on va aller voir ce qui se cache là quand même. Ça ne sert à rien. Ah, il nous faut le Holy Mantle, ce serait quand même vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ah, la stopwatch, ça on va la prendre. Parce que ça c'est pété. Ah, voilà. Voilà, tous les ennemis sont potentiellement ralentis. Encore là, c'est la stopwatch cachée. Donc on a juste un pourcentage de chance que ça arrive. Mais la stopwatch globale, elle, c'est pour tout le monde. Tout le temps. Ah, ça aurait été bien avec eux. Ouais, ouais, ouais. Ok, calmez-vous. Ok, un de mort. Ok, range up. Et en Devil Deal, c'est de la merde en barre. Donc voilà, on se casse. Ah, on a The Fool. Ça, c'est bien. Si on pouvait avoir un petit truc... Tears down. Aïe aïe aïe, Tears down, le truc qu'on voulait absolument pas quoi. Alors, heureusement on a des tears pas trop dégueux. Sinon ce serait vraiment chiant. Alors ça. Je sais pas pourquoi je vais là-dedans d'ailleurs. Tout ça pour des sous et... Allez, on finit, on finit. Oh là là, je vais me faire toucher. Ok. Le safe spot. On n'y pense jamais assez. Mais pourquoi il meurt pas lui? Ok, une petite clé. Easy peasy. Oh là là, c'est sale de l'angoisse. S'il te plaît, voilà, s'il te plaît, décède rapidement. Non mais, s'il te plaît, voilà. Tout ça pour une salle qui ne sert à rien au final. Voilà, tassez-vous bien là. Allez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces salles? Oh là 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 là, la violence. Non non. Ouf. Mais ça c'est de la merde. Short range mega tears.
Non, barrons-nous. Voilà, c'est très bien. Cassons-nous. Alors, ça c'est quoi? Two of Spades. Ouais, super. Temperance. Ça c'est de la merde en bar. Oh là là, lui. Potentiellement, on peut le finir très rapidement. Mais il faut juste pas se faire toucher. Voilà, range up, ça c'est bon. Lockdown, tears down. On va peut-être essayer de choper des trucs un peu sympas, s'il vous plaît. Non mais Temperance, voilà, tu vas rester là. Bon, c'est pas gagné, hein. Ok, alors on avance. Oh là là. All right. Allez, les Run the Lost, hein, c'est que du bonheur. Ah, il en reste une là-bas, ok. Ok, on avance. Ouais, meurs. Non! Mais non. Je vais me faire avoir. Non! Bon allez, je m'entends un dernier. Et après dodo. Je m'entends un dernier. Alors. Ça c'est pas mal, Cricket's Body. Ah non. Qu'est-ce que je fais? Allez, dis-moi qu'il y a... Oh oui, parfait. Non, s'il te plaît, il faut que tu meures et que tu me fasses aller dans l'autre pièce. Voilà. Splash damage, ça c'est bien. Allez, j'ai un bon petit départ. Ne faisons pas de la merde. Ah, ça peut tellement se combiner avec plein de trucs, ça j'aimerais vraiment qu'on le garde et qu'on puisse faire un run avec. Parce que ça, les boomerang tears et tout, enfin ça peut être vraiment très bien. Les aussi les larmes rebondissantes. Oh, je l'avais pas vu. Ok. Voilà, mourrez bien tous d'un coup. Alors, c'est quoi? C'est ça, c'est toi, c'est nous, la tristitude.
Ok. Lui, il est mort rapidement. Allez, les sbires. Les sbires, voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à lui. Voilà. Range up. On est parti. Allons voir si on peut pas choper une pills ou un truc téléporte ou une carte The Fool. Quelque chose d'utile avant d'aller dans la Curse Room. Oh là là, toi t'as voulu m'avoir en embuscade. Ok. C'est pas mal hein, les splash tears. Ça fait le taf. Ok, ça non. Tiens, oui, j'ai une bombe. Ah, dommage, j'aurais bien aimé un petit. Small rock. Alors. Look up. Tears up. Ça, c'est bon. Ça, on en veut. Ah, le boss, direct. Est-ce qu'on n'irait pas chercher l'objet directement? L'objet qui doit être en bas à gauche, forcément. On pourrait se taper un petit téléport, on serait pas contre. Ah, slow effect, ça c'est bien ça aussi. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Ouais, full health. Non. 999. Bon, on va voir le boss. On va voir ce qui va se passer ensuite. Je vais éteindre ce feu, je le sens pas. Si je suis en train de regarder le chat ou autre chose et que je marche dedans, je vais m'en vouloir. Ah, le slow effect qui va bien. Ça va, on le descend assez vite. Ok. Ah, ça c'est bien, stats up aussi. Ah, on a du bon. Abaddon. Est-ce qu'on fait le choix de pas le prendre? Oui, parce que là ça ne nous sert à rien. Alors on fait le choix de ne pas le prendre. Ok, allons-y. Ça c'est pas mal. Ça va nous dire où est le. Ah, forget me now. Ok, donc c'est à gauche. À moins que. À moins que. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Bon, on va faire gaffe au. Voilà, on va faire gaffe à ça. Ok, ça, ça va bien se passer. Oh là là, ça, ça, je les aime pas. Ouais. Ok, il faut en tuer vite, certains. Ok, ça va, ça s'est bien passé. Ça c'est quoi? Sticky Feet, ok. Ok.
Ok, Ok. On a un peu d'argent, on peut aller voir ce qui se passe au shop. Ah, le PhD. Oui. Ça, on va le prendre. Bon, puberty, c'est pas ouf. C'est pas ce qu'on cherche. Alors, de souvenir, enfin de tout à l'heure, le boss était vers le bas. Alors. Ouais, bon, ça va, ça se tue facile. On va voir ce que fait la pills, parce que si c'est un forg, si c'est un une télépills, on va aller voir la curse room. Le cup. Ok. Allez, s'il te plaît, mais meurs, mais vite, quoi. Oui, allez. Voilà. Ah, on n'a pas le... Comment ça, on n'a pas la curse room? Ah oui. Parce qu'on n'a pas pris le... C'est joueur, c'est surtout joueur quand on voit que ça ne sert à rien. Non, pas de vie sur ça s'il te plaît. Oh là là. Trois vies pour rien quoi. Trois vies pour rien. J'hallucine, la télépile ce qui vient maintenant quoi. J'aurais dû y penser avant. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Ok. Nous ne le ferons pas. Oh là là là, encore là, c'est pas passé loin. N'est pas passé loin. Ah, j'ai vu la curse room là-bas. On ira plus tard. On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Je ne sais plus ce que fait le Dice 3.
Ok, petite pause, je ne sais plus ce que fait le Dice 3. Allez, j'utilise mon Joker. Alors, le Joker Dice Room, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tic donc? Pickups. Ok, donc c'est tout ce qui est les objets, donc ça reroll tout. Très bien. Ça reroll les objets, enfin les vrais objets, pas les petits objets comme ça là. Donc ça on peut les prendre, c'est pas grave. Par contre, si jamais on a des objets qui ne nous plaisent pas, on pourra les reroll, j'ai fait crever. Ok. Ok, j'ai 4 clés, donc ça qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, on sait pas ce que c'est. D'accord, super le truc de reroll, alors qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah, SMB super fan, all stats up, ça aussi on aime bien. J'ai bien fait de pas le reroll du coup. Ok. Une petite pièce, un petit boss, ok. Oh là là. Ok, bon. Ah. Je te remercie, jeu de merde. On y va. Ah, il y avait la Curse Room qu'on n'est pas allé voir. Sac. Sac, 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 sac. Ouh. Oh ouais, ça on va prendre. Ça ouais, ça ouais. Penetrative Shop plus Damage Up, ça on aime. Ça, tu vas te calmer. Hop, 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 hop. Ah ouais, alors là, on va être bien niveau dommage. On va commencer à être propre. Tout ça pour ça. Ok. On a réussi à ne pas crever. Miracle. Ça, on peut se le garder. Allez, s'il vous plaît, mourrez là. Ok. Je déteste ces fantômes là, c'est vraiment tout pourri comme truc. Ok, bon, ça heureusement qu'on a le vol. Non merci pour le challenge. Voilà. Oh non mais je suis con. Je suis débile. Ah non, non, ça nous remet dans la... Ça dormait dans la pièce. Ah, dis-moi qu'on peut en sortir avec une bombe là. Ah non, je vais crever. Je vais crever juste parce que j'ai été trop gourmand.
Oh là là, putain, j'ai encore perdu 3 vies de merde. Bon, plus jamais la Curse Room. Plus jamais ça. Oh là là, on voit tellement rien en plus là. On voit tellement rien. Oh non. Ok. Un des pires boss du jeu, Bloat quoi. Quoi? Oh non, putain. Bon allez, ça suffit pour ce soir. The Lost m'aura tué quoi. Je rappelle donc, hein, bien sûr, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que mon skill est toujours aux abonnés absents. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous l'avez aperçu quelque part, n'hésitez pas à me le retourner. Petite pause boisson. En tout cas, merci à ceux qui sont passés. Alors je vais regarder bien sûr Alexis, si jamais je peux arranger ce problème de qualité de stream, parce que apparemment ouais, ça prend trop de bande passante. Je vais regarder ça tout de suite. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé. J'ai pas réussi The Lost, mais j'y crois à mort. La prochaine fois, je m'y engage. Je vais repasser quand même en mode webcam. Je m'y engage avec mon fond dégueulasse. À réussir The Lost et à enfin finir ça pour avoir un pas de plus vers le Platinum God. Merci encore à tous ceux qui sont passés, à très bientôt et puis bonne soirée. Salut, des bisous.